Fon di ke an pil fi kon al kay doktor paske yo senti yon boule nan sen yo. Le on fi gen boule nan sen li, le plus souvent, boule yo li benigne. Mais gen kek boule ki kon maligne, c'est-à-dire gen kek boule se kanser yo ye. Mais an pil lot boule yo, se de tumeur benigne. Tumeur sa yo, yo de maladi fibrocystique, yo gen noa fibroadenome, yo gen noa papillon intraductal ou bien yo gen noa abcès. Mais si boule yo c'est cancer, gen différents types de cancer. En pile fi, depuis yo gen boule nan tete yo, tête yo chaud parce que yo peur que c'est pas cancer. Mais pi fo boule fi gen nan tete yo, c'est pas cancer yo ye, c'est des tumeurs bénignes. Mais ce n'est pas seul boule on fi ka gen nan tete, li ka gen infection. Et infection sa yo, yo ka gen rapport avec bay ti moun tete allaitement ou bien yo pa gen rapport avec allaitement. Infection sa yo tout yo ka arrive presque quelques jours après fi a fin accoucher ou bien yo ka pa gen aucun rapport avec fi ki accoucher. Nan infection sa yo, gen yon ki rele mastite du postpartum, c'est-à-dire c'est le fi a fait fin accoucher quelques semaines après fi a fin accoucher, c'est le ça mastite ça. Et puis depuis nous on mot gen it là-dedans, nous connaissons c'est infection ou bien inflammation. Donc mastite c'est infection du sein. Donc mastite c'est une zone localisée qui gen infection là-dedans et le plus souvent c'est des bactéries qui causent les. Le plus souvent mastite du postpartum nan li vini nan deuxième semaine après fi a fin accoucher et en pile fois c'est lait qui comme si on gens accumulé nan sein qui en stase qui causait mastite ça. C'est ça fait si on fait fin accoucher en fait quelques semaines fin accoucher et puis li senti infection ça nan sel, yon nan bagay pou fi a fait c'est continuer bay ti moun nan tete ou bien utiliser pompe pour capable permettre que lait continue sorti nan sein. Ça c'est une inflammation nan tete mastite qui lié avec l'enfi fait qu'il a couché. Mais gen l'autre infection par exemple qui pa gen aucun rapport avec allaitement maternel et infection ça yo gen droit dans zone pointe Saint-Fia ou bien yon gen noa autour la partie qui pi loin qui dans circonférence Saint. Abcès sa yo ou bien infection sa yo qui rive l'en côté qui circonférence Saint yo moins commun que abcès qui attaque zone pointe Saint-Fia. Et si on fi présenté avec on abcès qui ont gens loin de pointe Saint-Lid, pointe Tételi, faut considérer peut-être que gen l'autre problème fi a ka gen, problème tant que diabète, maladie sucre, tant que arthrite rhumatoïde, tant que traitement à base de cortisone ou bien c'est frapper l'ancien ou bien son fille qui fumait. Donc en gros, c'est quelques notions ça yo. Nous commençons avec eux là. Donc, nous parlons de différents tumeurs qui ont frappé Saint-Fia, tumeurs malignes qui cancer et tumeurs bénignes. Nous avons dit qu'un pile fille peut, depuis qu'il y a une boule, il a pensé avec cancer, mais le plus souvent, surtout chez les jeunes femmes, ce n'est pas cancer, ce sont tumeurs bénignes. Et puis, nous avons parlé d'une série d'infections. Il y a une infection qui a un rapport avec le fait que fille a fait fin accoucher, il y a une infection tout. Qui a un rapport le fait que fille a parlé de Timon. Donc, nous avons parlé de bagay sa. Nous avons une pause, et puis nous allons parler de différents types de tumeurs bénignes qui ont causé boule dans ces filles.
Donc, boule l'entêté capable impliquer n'importe qui parti dans le cerf. Et ça tout permet de faire un petit bac pour nous dire que c'est tété fi son glande liée, li là pour produire hormone. Et pour produire hormone ça yo en dans sein, faut dire que pi fort sein c'est graisse qui fait, mais en dans sein un système de canal. Et il y a 15 à 20 lobules. Yo les lobules, c'est-à-dire un système de canal avec un système de sac, canal plus sac, et c'est là-dedans yo que il y a des cellules qui forment l'être là. Et l'être là formé sous influence hormone qui est prolactine, et puis l'être là sorti sous influence l'autre hormone qui est l'oxytocine. Donc en dans un sein que c'est canaux, que c'est lobe, que c'est lobule, que c'est alvéole, toute partie ça en dans sein yo ka impliqué dans affaire boule dans tété. Gen yon maladie qui les maladies fibrocystiques là, une tumeur bénigne qui attaque sein fi, li même li formé de comme si c'est une série de fibres qui vini, qui sorti, qui découlait d'une série de cystes, c'est le kyste qui était formé dans le sein. Et où jouer une maladie fibrocystique ça, là où fait autopsie, kaifi, où jouer 60 à 90% fi gagné en condition fibrocystique dans la tête. Donc son bagage qui est très commun, et même si on ne fait pas réaliser ça, mais un fille a gagné une bonne chance pour que l'y fasse. Même s'il n'a pas développé dans une maladie tout bon, mais si vous checkez cinq filles dans un microscope, par exemple, vous êtes capable de détecter des signes de maladie fibrocystique. Bon, l'autre tumeur qui est le fibroadénome. Fibroadénome, ça, lui-même, c'est, Jean-Noldia, c'est glande, c'est canal avec fibre. C'est ça que vient bail maladie ça fait le fibroadénome. Et c'est tumeur bénigne qui plus fréquente, c'est le jeune plus KFI. Il frappe surtout fille qui est âgée de 30 ans ou moins. Fibroadénome non qu'a jeune en fille de 30 ans ou moins, et 91% en boule qui forme dans cinq filles, dans cinq filles qui ont moins que 19 ans, c'est fibroadénome. Donc, nous voyons ça souvent, nous voyons qu'une jeune fille de 17 ans, de 18 ans, de 22 ans, etc., sans son boule l'ancelle, et puis elle a le cas docteur, et puis il rejoint son fibroadénome. Il y a l'autre boule qui forme l'ancelle, mais boule ça, c'est cancer. Depuis où on a une maladie l'ancelle qui est un carcinome, carcinoma, qu'on est son cancer. Il y a un carcinome ductal infiltrant, il y a un carcinome inflammatoire, il y a un adénocarcinome du mamelon, toutes c'est des cancers, c'est des tumeurs malignes. Donc en gros, nous parlons de boulio, nous avons plus de détails sur cette fois-ci, et puis nous parlons de infection. Donc nous avons une pause qu'on y a là, et puis nous avons tourné tout à l'heure avec l'autre aspect de nos affaires, boule et infection dans la tête KFI.
N'a pas continué avec affaires boule, avec infection dans tété. Qu'on y a parlé de quelques chiffres qui autour de affaires cancer et boule ou infection dans tété. Comme nous t'ai dit avant, cancer même dans tété, c'est cancer yo diagnostiqué pi souvent kay fi. Sous chaque 4 cancers yo diagnostiqué kay fi, youn la dan yo c'est cancer tété. Et gen 12.4% fi pendant vie yo k'a fait cancer en tété. Ça veut dire que sous chaque 100 fi k'a vive gen 12 là-dedans yo k'a fait cancer en tété n'importe qui le pendant y a vivre là. Bien entendu n'importe qui le pendant surtout pendant y a entré dans l'âge, c'est le ça yo capable faire un cancer en tété. Mais chiffre ça yo nous va dire là, n'a partagé là yo, c'est chiffre que États-Unis bail, c'est pas chiffre le monde, c'est pas chiffre Haïti, mais c'est chiffre États-Unis bail. Chiffre ça yo dit que infection en tété ou joigni kay 10 à 33% fi ka bail ti moun tété. Abcès nan tété développé la kay 5 à 11% fi qui gen infection nan tété. On parle de mortalité. Yo wè que entre 2.1% à 3.6% fi aux États-Unis ap mouri de cancer nan tété. En 2019, yo te attendu que gen 40 170 fi qui mouri de cancer nan tété. On parle de race. Yo wè que après 40 ans, fi ki blanche yo gen très forte incidence pour yo faire cancer nan tété que fi ki noir. Mais yo wè que fi ki noir yo gen plus risque pour yo faire cancer nan tété avant 40 ans. Et non seulement ça tout, li plus facile pour yo mourir de cancer nan tété. On parle de sexe, cancer nan tété ou jeune plus kay fi, 99% cancer nan tété c'est kay fi ou jeune, alors que 1% c'est kay garçon. Mais 1% kay garçon, li faut nous prendre très au sérieux parce que gen pile garçon pense yo pa la faire cancer nan tété. Ah non, c'est pas vrai. Car garçon ka prendre cancer nan tété. Donc c'est un garçon rive l'on point côté que sel gen boule, sel déformé, li suppose al kay docteur. Pour yo wè si c'est pas cancer nan tété et si c'est cancer nan tété, gen traitement à base d'hormones que garçon ka prend pour ça. En parlant de tumeur bénin, fibroadénome par exemple, yo jwenn que c'est li cause boule nan tété plus souvent kay fi ki gen moins que 35 ans. Kay fi ki gen moins que 35 ans, si yo gen boule nan sein, le plus souvent c'est fibroadénome. Yo jwenn que fi ki gen plus que 40 ans et plus, 96% breast cancer nan tété qui fait diagnostiquer c'est la kay fi qui gen plus que 40 ans et 98% fi qui mouri de cancer nan tété c'est fi qui gen plus que 40 ans. Yo joine que infection nan tété li frappe fi qui entre 18 et 50 ans surtout. Entre 18 et 50 ans, c'est là sa fi ou fait infection nan tété. Fi qui nan zone côté ou pas joindre soin qui pas gain clinique qui pas gain l'hôpital, yo gain plus risque pour faire cancer dans tété et pour mourir tout de cancer dans tété que fi qui rester dans zone côté gain l'hôpital gain soin de détection de dépistage etc. Ça c'est quelques chiffres nous te plus bas sous affaire cancer dans tété. N'a pas pause n'a tourner tal.
parler de boule avec infection dans tété jodi a. Kounya nou va arriver dans affaire ki jan les filles gagne maladie ça yo ki jan li présenter kay docteur et ki histoire ki symptôme li présenter. Mais les filles gagne une boule dans celle ou bien un garçon gagne boule dans celle tout. Ou capable non seulement fille a capable sentir boule là dans celle mais docteur capable sentir boule là tout. Il est capable sentir boule là mais le plus souvent boule là parle en deux seins. Ou a une boule là l'on seul sein le plus souvent. Son fille docteur checker si que il pas gain monde dans famille qui fait cancer du sein déjà ou bien boule dans sein. Est-ce que son fille qui était formée première fois elle gain règle est-ce que tu gain moins que 12 ans ça augmente le risque pour faire un problème pour gain problème dans sein lit ou bien est-ce que son fille qui pas jamais fait petit donc pas jamais fait petit et puis gain premier règle ça veut les ménarche bonheur yo capable constituer des risques pour gain boule dans sein de même que si que on fille entre dans ménopause tard si entre dans ménopause après 55 ans ça tout constituer des facteurs à risque pour fille ça gain problème dans sein c'est un gros série de symptômes là-dedans fille a gagné nous a rapporté que c'est un gain douleur gain un petit liquide qui sorti dans pointe sein lit et puis gain un série de changements dans peau sein surtout bon pointe sein et si gon série de petits trous tant qu'on pose orange c'est ça les signes de la peau d'orange que fille a gagné gagner. Et puis docteur a checké tout depuis qu'il le fille a gain boule dans sein ou bien depuis que le sein a fait mal depuis qu'il a gain liquide ça qui sorti dans point sein donc tout ça ce sont des informations qui est important pour médecin pour le cas déterminer nature boule ça ou bien nature infection ça que fille ça présenté dans tété ou bien garçon ça tout ça c'était pour boule dans sein maintenant pour infection dans sein c'est un gain présenté en zone qui rouge qui chaud qui gonflé, qui enflé et puis qui fait mal. Ça, ce sont des signes inflammatoires. Dépend mon gain inflammation côté, ou présenter signes ça yo, li rouge, li chaud et li enflé et puis il fait mal. Fils à tout ou bien garçon, il nous a présenté la fièvre, il qui a présenté frisson à qui accompagner infection ça que il gain l'ancien. Et si son fille cap bail ti moun tété qui a fait allaitement maternel fils ça gagne noir gain difficulté pour lait là sortir pour petit monde dans joindre lait là celle gagne noir engorgé c'est un genre gonflé la fait mal ou bien tête pointe sein gagne noir un genre fun tout ça ce sont des signes des symptômes que fille a gagne noir présenté le que les gros problèmes dans sein lit. Donc nous parler de boule dans sein, nous parler de infection dans sein qui c'est mastite, qu'on y a en parler de abcès dans sein. L'on fait gain abcès dans sein comme si son zone qui bien localisé dans sein qui gonflé, qui gain boule, qui chaud, qui fait mal. Fils ça faut checker est-ce que quelques semaines avant ça pas de gros problème de infection dans sein. On sait de leurs symptômes qui a présenté tant pour la fièvre, nausée, vomissement et puis li kabay liquide dans point sein, liquide ou bien pu dans point sein. On le bagan quoi est-ce que son fille cap allaité on ti mon actuellement et si il pas allaité ti mon faut considérer est-ce que li gen problème pipi en pile, est-ce que li soif, est-ce que li fait infection souvent, est-ce que li vin maigri ou bien vin grossir rapidement. Tout ça, c'est information que le médecin a besoin pour qu'il soit capable de chiter un diagnostic de que fille a un gros problème dans ses consens. Et est-ce que son fille qui fait faire une intervention chirurgicale l'ancien dans deux mois de se passer là yo? Et puis, est-ce que son fille qui fumait? Donc, ça, c'est une série de questions que le docteur est capable de poser. Là, on fait paraître avec un sein qui a fait le mal, ou bien un sein qui a une boule là-dedans, ou bien on sait qui a abcès là-dedans. Donc, question ça est très important pour un médecin poser. Examen physique, c'est-à-dire qui ça a médecin pour le checker. Faut médecin faire un examen assez complet pour filial, pas qu'à garder seulement, car faut le checker l'autre bagage.
faut le considérer, est-ce que son fille qui a un problème comme si amaigrissement, pas qu'à manger, douleur dans os, parce que symptôme ça yo ka orienté ou voir un diagnostic de cancer dans sein. Bon, en termes d'examen physique pour masse, pour boule qui pour fille qui a une boule qui dans sein, faut que le médecin regarde qui gens boule là. Est-ce que son boule qui est dur, est-ce que son boule comme si contour est bien défini ou bien est-ce que lobulé comme si il gagne petit bosse à droite à gauche qui gros seul tant que les plus gros les gagne les bail plus souci. Est-ce que son boule qui fixe ou bien qui mobile, est-ce que le fixe dans poussin ou bien dans ancien même ou pas qu'à faire mouvement avec ou pas qu'à déplacer lui, moi est-ce que il est capable de déplacer, ça très important. Je trouve que 50% boule dans ses filles, c'est dans le cadran supérieur sain. Sain est divisé en quatre cadrans, en quatre parties, et c'est dans le cadran supérieur. Il y a un supérieur interne, c'est cadran dans la zone sternum fia, et il y a un supérieur externe, c'est cadran dans la zone zécelle fia. Donc c'est dans le cadran supérieur, surtout. Il rejoint un boule qui est dans ses filles. Est-ce que un boule là ou bien infection est associé avec douleur à la palpation, par exemple on palpe ses filles, est-ce qu'il y a une douleur ou bien est-ce que il pas une douleur, ça très important. Est-ce que point ses filles qui les mamelons, est-ce que il bail liquide, est-ce que il l'envers au lieu pour le sortir c'est entrer, est-ce que il y a un petit bouton sous lit, il y a une petite plaque à sous lit. Est-ce que les différents de l'autre sein, est-ce que les noirs mamelons sa pipiti pointe tété sa pipiti que l'autre pointe tété ya, ça très important. Pour sein, est-ce que pour sein uniforme ou bien est-ce que il y a un point là-dedans, il y a un côté de tiré là-dedans, ça très important. Nous sommes chez une table, t'es parlé de peau d'orange là, qui c'est une signe de boule dans sein. De tumeur dans sein, que c'est béni, que c'est maligne. Est-ce que il y a un gland dans zécelle? Si il y a une boule dans sein droite là, il y a tendance à avoir une boule, un gland dans zécelle droite. Et ça veut dire on ganglion qui satellite, on adénopathie satellite. C'est-à-dire les mêmes bois avec lésion. Si c'est à gauche, si c'est un gauche là qui a une infection mais qui a une boule là-dedans, donc fille a capable de ganglion gland dans zécelle gauche là. Est-ce que fille a un autre problème, c'est de problème neurologique, parce que problème ça yo yo noir montrer que bon noir c'est un cancer qui a une métastase etc. Donc ça c'est boule dans sein. Si nous regardons l'infection dans sein, mastite, le docteur a dû checker est-ce que zone qui a une boule là, qui a une infection ou bien infection, est-ce que rouge, est-ce que chaud, est-ce que dur, est-ce que il y a une inflammation, est-ce que le fait mal, est-ce que le fait mal spontanément ou bien est-ce que c'est l'hormone qui fait le mal, est-ce que tout ça, il y a la fièvre. Ça, c'est pour infection dans sein. On fille qui présentait avec des signes de abcès, ma mère, abcès dans le sein, on regarde les mêmes signes, inflammation, tant que chaleur, rougeur, duration, est-ce qu'il enflé, est-ce qu'il fait mal, on regarde est-ce que c'est dans la zone pointe Saint-Fialier ou bien est-ce que c'est dans la zone périphérique dans le sein, hein? Est-ce que l'on palpe, abcès, est-ce que elle lit comme si les consistance n'est pas dure, comme si doit être ouvert entrer là dans lit. Est-ce que il y a la fièvre, il y a la fièvre, est-ce que il y a gland dans aisselle lit, et puis est-ce que point saint lit a bail ti blou ti pu ou bien lit li l'envers comme si au lieu de sortir et puis donc c'est entrer. Donc c'est ça yo et c'est comme ça yo pendant examen physique là c'est yo pour docteur à checker pour le capable de faire une différence entre boule dans sein, entre infection dans sein ou bien entre abcès dans sein.
Donc, nous avons campé là et puis nous avons tourné tout à l'heure avec plus d'informations sur les affaires, problèmes dans Tété. Nous retournons pour te mettre corps, veiller corps. Nous avons plusieurs informations sur les affaires boule avec infection dans Tété. Ça nous était pour nous faire là, c'est à parler de prise en charge avec traitement. Bon, nous pas passer un pile temps sur deux points ça, parce que but nous c'est vraiment bons outils, bonnes informations qui permettent que vous sentiez motivé pour que si vous gagnez soit un signe ou bien un symptôme. Dans ce sens où capable de connaître pour le docteur, pour capable clarifier ou bien diagnostiquer pour qui ça présente tel symptôme. Mais tout simplement, nous avons dit que si on a un symptôme infection dans la tête ou bien boule dans la tête, définitivement, un conseil d'examen docteur a fait dépendamment de sa pensée. Par exemple, si c'est une infection, il est capable de faire un hémogramme complet. Pour le connaître, est-ce que bon, formule sanguine fille ou bien garçon, est-ce qu'elle est affectée par infection, est-ce qu'elle reflète infection? Et si c'est un boule, il est capable de faire une sonographie et puis il peut faire une mammographie, il peut même arriver dans affaires image de résonance magnétique. Et si tu as pensé que son cancer, bon, il peut faire l'autre examen toujours. Pour déterminer est-ce que cancer ça a temps métastasé. Donc sonographie mammaire très important dans un établi diagnostic tumeur dans sein parce que lui permet que radiologue là lui voit contour image là est-ce que son contour qui est lisse qui est régulier. Et tout ça pointait surtout vers une tumeur bénigne, vers un fibroadénome par exemple, ou bien une maladie fibrocystique du sein. Mais si contrôle-là lié en genre irrégulier, et puis le conseil de l'autre signe là-dedans, le ça, radiologue-là surtout penser avec cancer. Donc en gros, deux examens ça, central. Le plus souvent, une fille qui a moins que 35 ans, c'est avec sonographie. Elle commence avec elle. Mais une fille qui a 45 ans et plus, le plus souvent, c'est avec mammographie. Elle commence. Parce qu'il y a un problème qui a avec mammographie. Le son jeune fille qui fait, il y a un genre difficile pour interpréter. Parce que ces jeunes filles, elles dansent. Donc, même si tu as les yeux, c'est difficile pour elle. Alors que, quand une fille qui a plus que 40-45 ans, une fille qui est en ménopause, c'est moins dense. Donc c'est ça qui fait le plus facile de découvrir des lésions cancéreuses ou bien des lésions anormales dans le sein. Donc c'est comme ça nous arrivons à la fin de la présentation ça, sur boule avec infection dans le sein. Nous souhaitons que vous profitez de nous. Pour suivre des travaux cliniques Réfeca en Haïti, tant pis, allez là www.refeca.org. www.refeca.org.